Dès que vous sport a égalisé, comment était le match? Oui, elle a égalisé, je viens de revoir le but. Maintenant, le deuxième but, c'est un hors-jeu flagrant. Vous allez le voir, le deuxième but. J'ai commencé par ça parce que vraiment, le deuxième but, c'est un hors-jeu flagrant. Avant notre premier but aussi, c'est un pénalty, il n'est pas sifflé. Tant mieux après, le corner marque le premier but. Ça, c'est des points d'interrogation. C'est des choses qui ont influencé le résultat du match à la fin. Mais nous, on a fait une bonne première mi-temps. On était très appliqués sur le plan tactique, sur le plan technico-tactique. Les joueurs, ils étaient forts. On a réussi sur les attaques rapides, surtout sur les récupérations, sur une zone médiane. Et on a réussi aussi à marquer le deuxième but. Mais la deuxième mi-temps, on a eu un petit relâchement. On encaisse dès l'entame de la deuxième mi-temps un but sur balle arrêtée. Et c'est ça le football, je crois que c'était partagé entre nous et Kyovo, une première mi-temps pour nous, une deuxième mi-temps pour Kyovo, malgré qu'on a pu tuer le match, une occasion pour le troisième but lorsqu'on était à 2-1, poteau ensuite sur deux reprises, le ballon arrêté et puis tir de Mugunga qui n'était pas cadré, dommage, un tir de Bosco aussi arrêté par le gardien. Normalement, je trouve que vraiment je suis déçu par le match nul parce que aujourd'hui, vu le rendement, on mérite les 3 points. Qu'est-ce qui s'est causé? C'est la chemin. Vous avez bien joué dans la première période, mais la deuxième période, vous étiez pas à la hauteur. Non, on a encaissé un but juste à la reprise de la deuxième mi-temps. Sur balle arrêtée, un balle arrêté sur le deuxième poteau, on a encaissé un but. C'est ça, c'est la reprise. Mais après, on était là. Hein, je viens de dire qu'on a raté le troisième but. À 3-1, on aurait dû tuer le match, mais... Mais à la fin, normalement, le deuxième but, c'est vraiment décevant de voir un but comme ça hors jeu. Dommage pour l'assistant qui ne voit pas des choses pareilles. Vous n'avez pas des regrets des changements que vous avez faits? Quels sont les changements? Est-ce que tu peux me dire les changements? Le coach de l'équipe adverse a fait sortir les. Il a fait jouer avec 3 défenseurs. Il a fait sortir les défenseurs. Il a fait entrer l'attaquant. Et vous avez fait entrer Christian, qui est comme défenseur. Non, Christian, on doit parler d'un Chouti. Chouti, qu'est-ce qu'il joue? Chouti, il joue un attaquant. Donc on a joué avec un Chouti et Mugunga, 2 attaquants. On a joué avec un 4-4-2. Un 4-4-2 avec 2 attaquants, ce n'est pas des changements défensifs, ça. Donc on a joué, on a mis 2 joueurs sur les 2 axiaux de Kyovo, on a essayé de jouer l'attaque, ça, ce n'est pas des changements. Et Christian, comment Christian? Christian, on a gagné avec Christian le Monastir dans le match aller. On a gagné 1-0 le Monastir, qui est qualifié pour la phase des poules de la CAF. Et si Christian il est là, c'est pour aider aussi Claude sur les transitions défensives, parce que Kyovo il va jouer le tout pour le tout. Et nous, on doit conserver aussi notre score et jouer sur les contres aussi lorsque l'adversaire il est en déséquilibre. C'était des choix étudiés. Et je ne crois pas que Christian, c'est à cause de Christian qu'on a encaissé des buts. Il ne faut pas dire ça. Vous venez de parler sur l'arbitrage. C'est ce qui a changé le match. Le deuxième but, tu vas revoir le deuxième but. Tu vas voir l'hors-jeu qui était flagrant. Et puis tu me dis si ce que je dis est vrai ou pas. Tu vas voir le deuxième but, donc il a influencé le résultat final. Vous travaillez comme coach intérimaire jusqu'au 13 dernier. Mm-hmm. Et vous continuez de travailler comme coach intérimaire? Moi, je suis maintenant le coach. J'entraîne, je suis en bonne communication avec mes dirigeants. Autre chose administrative, c'est pas à moi. Moi, j'entraîne, j'ai un contrat avec l'APR. Je continue à travailler, je suis maintenant sur le banc. Je continue à travailler. S'il y a quelque chose qui peut se passer, c'est pas moi. À chaque reprise, vous me donnez la question, j'ai pas de réponse. Moi, j'ai un contrat, je travaille et c'est ça. Un commentaire à votre choix. Jean-Pierre est de retour. Oui. Alexandre n'était pas là. Mm-hmm. Donc l'autre fois, tu m'as demandé pourquoi Pierre n'est pas là, pourquoi Alexandre. Je t'ai répondu que pour nous, il y a une concurrence. Celui qui va être en forme, c'est lui qui va jouer. Le match dernier, Alex, il a fait des fautes, il a fait des erreurs. Donc nous, on a 2-3 gardiens qui sont pratiquement, ils ont les mêmes qualités. Pierre, c'est un gardien de but international. Il était en Amavubi, il a joué 45 minutes contre le Soudan le deuxième match. Donc Alex, il n'était pas en forme. C'est Pierre qui va jouer, c'est ça on l'a payé. Celui qui est prêt, il va jouer. N'importe, gardien, joueur, attaquant, etc. Le plus prêt, le plus qui a une présence sur les entraînements, qui est prêt pour chaque match, il va jouer.
C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Merci.